Nous observons les alpagas et le vendeur dans son habitat naturel pendant qu'un arbre pousse. Oui. Bonjour à tous! Ici Rimoche. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Ouais, bah, n'hésitez pas à le dire, en tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Ça y est, première vidéo de la rentrée. Bah oui. Enfin, première vidéo que je tourne après la rentrée. Y a toujours notre ami hein, qui ne vend toujours rien de très intéressant. Non, hein, c'est le même. Hein, oui, ça a l'air d'être le même. Qui est là, qui squatte notre île. C'est pas possible. Il va falloir qu'on règle ça. J'ai voulu vous filmer là, pendant que je refaisais les réglages, pendant qu'il était en train de tuer un de ses alpagas au niveau de... Il tirait sur la laisse et l'alpaga était en train de se tuer contre... Ah bah... Ah, j'ai dû récupérer une laisse. Ah non. Bonjour. Bah, tu vas rester avec nous. Mais je crois que tu vas disparaître quand lui, il va disparaître. Hein. À part si je le tue. Ah, j'ai pas de flèche. Si je te tue, est-ce que tes alpagas y restent? Ah, j'ai pas envie de te tuer. On va pas commencer sur un acte de barbarie comme ça. J'ai la webcam, j'en profite, je vous fais un petit coucou. J'ai la webcam, j'ai branché la webcam. Voilà. Du repas. Pourquoi pas. On est dimanche pour vous, je vous donne une information. Il est 14h au moment où je tourne cet épisode. J'espère vous le sortir pour 17h, mais j'y crois pas du tout. Mais je tiens mes promesses, je vous dis que j'en sortirai un le dimanche et que j'en sortirai un peu plus long que d'habitude. Donc voilà, je trouvais ça important de le faire quand même. Voilà, sinon j'espère que vos vacances se sont bien passées. Les miennes, ça va, elles se terminent aujourd'hui, même si j'ai déjà plus ou moins repris un peu cette semaine. Mais bon, je voulais rester avec ma femme et respecter le fait qu'on était en vacances et qu'elle profite à fond des siennes. Voilà. Donc on avait fait ça. Je sais plus du tout où j'en étais. J'ai vu que il y avait eu un commentaire. Alors le nom, je pourrais le retrouver très vite. Je vais regarder ça. J'ai vu un commentaire de la part de quelqu'un qui me disait qu'il manquait un épisode entre le 5 et le 6. J'en avais pas l'impression, mais je pense surtout que des fois il m'arrive de faire une pause entre deux épisodes et ne plus savoir exactement où je m'en retrouvais. Voilà, Michael Ménard. Donc merci beaucoup pour le commentaire. Je pense non qu'il ne manque pas d'épisode entre le 5 et le 6, c'est juste que j'ai dû arrêter de tourner après le 5 et que je suis reparti quelque chose au moment où j'ai tourné le 6ème épisode. Voilà, il faudra vérifier. Je fais coucou à Adrien, coucou à Franck aussi, coucou à Audrey hein, qui m'ont tous laissé des messages. Merci à vous pendant les vacances. J'ai pas eu le temps d'y répondre, même si vous avez remarqué quand même que je prends le temps d'y répondre généralement. Là, c'est vraiment parce que je n'étais pas chez moi et que. Bah, et que voilà, je n'ai pas pu. Mais je pense fort à vous quand même. Alors, on va aller, j'espère que je tourne bien, je vérifie, j'ai peur de faire des bêtises, ouais c'est bon, on est en enregistrement, j'espère que vous m'entendez bien, le son a l'air d'être bon, tout ça, nickel. Ça y est, la pression est là, on va retourner là-dedans, on va continuer un peu, au niveau du stuff, je n'ai pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix, oui, c'est vrai qu'il y avait ça. On avait posé des blocs la dernière fois, je me permets d'aller refaire un petit tour pour voir exactement où on en est. Voilà. Il est où Piggy? Il est où Piggy? Il est où Piggy? On a quand même pas perdu Piggy. Ah, il est là Piggy! Coucou! Ça va petit cochon? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, Piggy est toujours là. Ah oui, on avait fait le bloc de redstone, oui c'est ça. Le bloc d'or... Ah mais oui, le bloc d'or, ça y est! Le bloc d'or, je voulais le faire en tuant plein de pigmen. Ça y est, ça me revient. Et ben, on va le faire. Aujourd'hui, on a le bloc d'or. C'est promis. On a le bloc d'or et on va commencer dès maintenant. Par contre, il va falloir que je prenne de la nourriture. La dernière fois, je crois que j'étais un peu faiblard au niveau nourriture. Bouteille d'XP, tout ça, il n'y a pas besoin. Hop, je devais terminer de ranger les coffres. Alors, il y a deux équipes hein, pour le rangement des coffres. Il y a ceux que ça agace que je ne range pas les coffres et ceux que ça agace que je les range. Bah vous savez quoi? Je continuerai à faire les deux, hein. Comme ça, je ferai pas plaisir à personne comme ça, vous pourrez m'en vouloir toute votre vie parce que dans Minecraft, j'ai rangé des coffres. La maison est toujours pas aménagée non plus, hein. Mais ça va viendre. Je sais, ce mot n'existe pas. Hop là.
On va mettre quand même une jolie table, on prendra le temps de faire une jolie table quand je serai revenu du Nether. Donc, départ Nether. Il me faut de la nourriture. Il y a toujours ça aussi hein, qui peut nous aider, même si c'est pas ouf. Parce que niveau nourriture aussi, je peux me faire du pain. Niveau pain, on est où? J'ai pas plus de blé que ça? Est-ce que j'ai de la nourriture ici? Là, c'est mes ressources. D'ailleurs, j'ai 6 de 6 d'or, donc il m'en manque pas tant que ça. Il y avait ça qui était pas bien aussi, qui était bien, je veux dire aussi. Protection 3, je vais peut-être prendre ça au fait, pour aller là-bas. Ouais, en plus il y a Mending, donc à partir du moment où il y a Mending, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Non. Oui, oh, ça va nous servir au cas où. Hop là, tchop tchop tchop. Hop, allez. On va manger. Oh, 10 pains, ça nous suffira pas, mais on va se faire un petit peu plus de nourriture. Hop, non, c'était pas ici. Hein. C'était là. Est-ce que j'ai des os ici? Oui, donc j'ai des os. Donc à partir du moment où j'ai des os, j'ai de la nourriture. Hop, allez, c'est la fête. Vous allez voir. Je vais partir d'ici. Frais comme un gardon. Phrase au hasard. Hein. Top, 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 pop, pop, pop. Hop. Ah, on est en début d'épisode. Enfin, presque, fait si, on est en début d'épisode. Du coup, j'en profite. Vous n'avez pas tardé à voir une vidéo sortir sur la chaîne pour vous annoncer le retour des lives. Bon, mais qui dit retour des lives improbable. Les lives improbables, hein, pas les lives Minecraft. Donc, je vais avoir besoin de personnes. Ah, il commence à faire nuit. De personnes qui accepteraient de venir parler de parcours, de choses positives, ou de passion, ou de voilà, de plein de choses. Venir partager un moment particulier, privilégié, pardon, avec les gens et découvrir qui ils sont. Et bah, ce qu'ils apportent au monde d'une façon générale, même si des fois on peut se dire que ce n'est pas grand-chose, bah, si le moindre petit truc qu'on peut partager avec les gens, je peux vous assurer que c'est déjà beaucoup et qu'il ne faut pas d'évaluer ça. Hein. Apporter des choses au monde, c'est pas seulement faire de grandes choses, faire de grandes études, aller refaire le tour du monde. Non, non, c'est des fois juste être bien. Être cool avec les gens et partager des petites choses, voilà. On se rend pas compte de tous les bienfaits que ça peut apporter. Hop là! Et bah 15 pains, 15 pains c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toujours pas ce coffre là. 15 pains et même 16. Allez, hop! 16 pains, c'est pas mal, j'y vais comme ça. En plus j'ai encore un petit peu de viande de zombie. Allez-y! Je tue suffisamment de zombies pour me faire un bloc d'or. Je vois ce que ça me récupère le bloc d'or et j'attaque, je retourne dans l'espèce de forteresse, vous savez, dans la partie où il y avait les sorcières. Oui, tu seras le premier sur la liste. Bon, bah, il est tombé. Fail, il est tombé. Hop. Allez, j'ai une épée en diamant, pourtant c'est pas mal une épée en diamant. Où est-ce que je vais? C'est pas par là du tout qu'il faut que j'aille, c'est là. C'est là. Non mais quand je vous dis qu'il s'est passé beaucoup de temps entre les deux et que je me rappelle pas de tout. Ah oui, bah là vous êtes énervé hein, forcément. Et hop là. Donnez-moi votre or. C'est pas beaucoup ça. C'est pas beaucoup mais c'est toujours ça. C'est toujours ça de prix, hein. On va pas faire non plus nos fines bouches. Je ne vais pas tomber dans la lave maintenant. Hop, là-bas il y avait une plateforme qui était sympa, je vais y retourner. Hop là. Eh, je suis content de revenir tourner avec vous, hein. Je sais, je le dis à chaque fois, mais mine de rien, moi c'est mes petits moments de pause aussi que je m'offre, hein. Je vais être très clair, ces petits moments que je fais en tournage avec vous, c'est aussi les petits moments de pause que je m'offre, donc ça me fait très plaisir et ça me fait très plaisir de les passer avec vous. Tout comme je viens des fois parfois en live avec Didier, c'est aussi avec grand plaisir. Grand plaisir. Hop! Allez, 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 allez! Je profite, il n'y a pas encore de ghast, hein.
Alors, j'ai publié la saison fail là de une aventure dans le Nether. Elle a pas l'air. Je fais moins de vues que sur cette série. Alors, ça reste, tout est relatif, hein, bien sûr. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'était vraiment un petit bonus de rentrée, on va dire. Hein. Voilà, il n'y avait pas grande prétention à cette série, mais c'était voilà, c'était un bon moment qu'on avait passé avec Didier. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le partager aussi. Hop là. Il y en a un autre qui arrive. Là. Non, il n'y en a pas d'autre qui arrive. Allez, et là-haut, il y a quoi? T'es énervé, toi? T'es pas énervé. Ça va, vous restez pas énervé longtemps, les pigmen, je trouve, là. On va faire ça. On va faire ça. Hop, puis je vais en énerver un. Hop, voilà, puis là, il y en a plein, c'est bien. Allez, venez. Venez. Venez, les petits cochons. Oh, oh, c'est mignon ça. Oh, c'est mignon, tout plein, lingot, tout prêt, tout frais là. On en avait 6, ça fait 7, il nous en manque plus que 2. Mais c'est parfait ça. En fait, ça, c'est le résultat de ma carte de fidélité. Quand je tue des pigmen, et à un moment, il y a une carte de fidélité, hein, et puis bah, il m'offre un lingot tout frais. Voilà. Vous connaissiez pas ça dans Minecraft? Ah là là, je dis n'importe quoi, vous commencez à être habitué. Hop, 11. Donc on est... Il nous manque plus qu'un seul lingot. Oh, c'est bien ça. Allez, viens, Pépère. Ah, mais t'étais énervé, mais tu voulais pas venir, c'est ça? T'étais timide? Ok, t'étais timide et en plus t'avais rien à me donner. Ah, encore? Où est-ce que tu es? Je t'entends, tu es énervé, petit pigmen, mais il faut que tu viennes me voir. Viens tâter de mon épée. Là, il y a des gens énervés. C'est bien. Hop, allez, venez. Bah oui, c'est bien ça. Oh, laissez-moi monter par contre sur mon truc. Quoique que je suis. Bonjour. Bonjour. Oui, parce que là, c'est. Oh, très honnêtement, c'est une technique de couard, hein. Je les attaque, ils peuvent pas m'attaquer. Mais en même temps, je leur interdis pas d'apprendre à sauter et à venir me rejoindre, hein. Ils le font pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Hop, hop. Allez, viens. Voilà, viens toi aussi. Ah non, j'entends un ghast. Il est où? Il est là! Ça y est. Hop, et j'ai pas d'arc. J'ai pas d'arc. Ouais, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue, hein, de faire ça. Hop, je vais me faire défoncer par le... Voilà. Il est où? Où est-ce qu'il a tiré, par contre? Je ne le vois pas. C'est ça qui est assez agaçant, en fait. C'est qu'on les entend de loin, mais on ne les voit pas. Il est caché, je sais pas où. Bon, en attendant, j'ai essayé de me faire les derniers pigmen. Ah, il est là-bas. Ah oui, là, il va m'attaquer par contre, c'est sûr. Non? Bon, ok, je continue alors. Hop. Je surveille, hein, parce que ça, franchement, les ghasts. Et j'ai plus de flèches, donc au pire, je peux lui renvoyer sa boule. C'est ce que je vais essayer de faire d'ailleurs, de lui renvoyer sa boule. Mais c'est pas toujours. Ça marche pas toujours du premier coup? 17, c'est dommage, il m'en manque qu'un. Il m'en manque qu'une, là. Qu'une pépite. Si j'arrive à avoir une dernière pépite, je peux sortir d'ici. Ah, mais voilà, ça c'est un bon endroit, ça. On va faire ça. Je regarde s'il n'y a pas de ghast, hein, toujours. Hop. Allez. Bah voilà, je crois que j'ai ma pépite. Hein.
Non mais vous avez vu là-bas comment il me nargue en plus? Allez. Ah, raté. Raté aussi toi. Tu aimerais bien m'avoir, hein? Allez, viens. Oh, je vais t'avoir à l'épée. Vas-y, viens, je vais t'avoir à l'épée. Ça va être épique. Non, je vais pas t'avoir à l'épée, t'es trop haut maintenant. Hop. Allez, viens. Viens si t'es un homme. Viens. Enfin, ou si t'es un gast. Oh, raté. Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Hein, là, tu m'as eu. Bon, allez. Taïo! Je demande pas mon reste, on verra ça quand j'aurai de nouveau des flèches. Ouh, c'est dangereux ce que je fais là. Ah, toi t'es énervé contre moi. Voilà, t'es plus énervé. Ok, hop là, petit passage. Hop hop. Oh, vous aussi vous êtes énervé. Oh. J'ai le don d'énerver les gens, je le savais, hein. Allez, prends ton bain. Là, je ne demande pas mon reste, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Ils me suivent pas. Non, ils me suivent pas. Hop, on va faire en sorte que. Ah. Ah, c'est pas bien ça. Ils sont énervés ou pas? Ils sont pas énervés. Bon, c'est bien. Au revoir les gars. À la prochaine, hein. Ok, nous voilà là. Ah bah tout le monde est là maintenant. Ça va, vous êtes bien ici? Eh bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Hop là. Allez, regardez. Ok, problème de clic. Chop, chop, chop. Deux lingots, ce qui fait trois lingots. Avec ceux qui étaient rangés là, ça nous en fait six. Enfin neuf, pardon. Hop, hop. Regardez, et on y va! On y va, vous vous rendez compte, 17 minutes d'épisode. On a notre bloc. Oui, je sais, je vous l'avais promis pour le dernier épisode, mais il fallait que j'arrête là. Hop, hop, hop. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir aussi sur la chaîne. Hop. Ok, j'ai eu un armor stand, on va vite éteindre le feu. J'ai du mal à comprendre ce principe de. On a eu un armor stand, loyalty, d'accord, ok, je sais pas ce que ça fait, je sais plus. Ah, loyalty, c'est pas pour les. Comment on appelle ça là? Les tridents qui reviennent vers nous? Et les potions? Ah oui, donc ils sont tous avec nos EA3 quoi, c'est un stand dommage 2, night vision. Au fait, ils sont pourris ces potions. Elles sont pourries, on est d'accord. Celle-là encore, ça. Fire Resistance 4. Celle-là encore, c'est bien. Celle-là, elle est bien. Même si elle a nausée 3 pendant 20 secondes, elle a quand même Fire Resistance 4 pendant 11 minutes 11. Ce qui est beaucoup. Donc, c'est pas mal. Ok, bon, bah, regardez, le bloc, il est là, il est beau. Et cette fois, j'ai réussi à éteindre le feu avant qu'il y ait des blocs qui disparaissent autour. Coucou Piggy, toi tu continues à te balader en haut. C'est un jour, Piggy, faudra pas hésiter à vaincre ta peur et à venir sur notre île là-bas. Elle est pas mal notre île là-bas. Il faut que tu passes par là, Piggy. Il est parti, Piggy. Piggy! Oh. Regarde. Là, regarde-moi. Il va falloir un jour, Piggy, que tu viennes. Je sais pas si j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Non, j'ai rien à manger qui peut t'intéresser. Donc tu ne viendras pas avec moi. Les baies, t'aimes ça? Non, t'aimes pas ça, les baies. Oh. La redstone, voilà. Voilà comment on fait une map avec des commandes blocs. Waouh. Piggy, tu t'en vas? Oui, allez. En va-toi, Piggy. En va, descends. Descends de là, Piggy. Piggy, descends. Descends, Piggy. Oh. Voilà. Et puis je vais bloquer parce que moi je pense que tu vas finir par faire des bêtises sur le toit. Si, il dit pas non. Ben, je t'assure que si. Ah. C'est bien, ça nourrit pas du tout, ça.
Ok, bon, je m'attendais quand même à un truc un peu mieux. Mais bon, c'est bien quand même. C'est bien quand même. La fire résistance, je vais la garder avec moi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Le reste, je vais ranger là. Hein. Hop, hop, hop. Ça, je vais garder avec moi. J'ai pas de flèche, j'aimerais bien en avoir, mais j'ai pas de poule. On va aller s'attaquer aux sorcières. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, on va aller se faire des sorcières. Ah, bah si, j'ai des flèches là. Par contre, mon arc il est presque pourri. Slowness, c'est bien aussi. Allez hop, on prend tout. On a une armure de dingue. On y va et on va s'attaquer aux sorcières. Je vous ai assez fait attendre comme ça. On a fait un bloc déjà, hein. Vous êtes toujours pas énervé contre moi? C'est bien. Vous êtes bien les seuls. Alors, je suis d'autant plus content de jouer avec vous là. Ça me détend. Vous savez pourquoi? Je viens de me casser une dent en fait, juste avant le tournage. Je suis dégoûté. C'est la deuxième en une semaine. J'ai un gros problème, on va dire, de cassage de dents. Ça faisait longtemps et. Oh, le petit lag. Et là, en mangeant un morceau de pain, et bah voilà. Fin de l'aventure pour cette dent. Ça m'agace. Ça m'agrace. Vraiment. Ça m'agace et heureusement j'ai plus de douleur parce que j'ai plein de dents qui sont dévitalisées à cause de tout, enfin à cause de ça. Ça fait des années que ça me poursuit. Bref. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les renards ici. Petit renard, petit renard. Et puis il y avait des œufs de villageois là. C'est vrai. Et puis il y a des pommes de terre. Et puis il y a rien d'autre. C'était de l'autre côté la maison des sorcières? J'avais passé l'endroit où il y avait les toiles araignées là, c'est bizarre. Non, la sorcière ça devait être de l'autre bout, hein. Ouais, c'est ça. Ça devait être de l'autre côté. On va aller voir les sorcières. Ouais, ça devait être par là. Bonjour, toi! Ouais, les sorcières c'est là. Là, j'avais bouché. Voilà. Allez, on va aller voir les sorcières. Ça va, petit renard? Tu m'accompagnes? T'es mignon, hein. T'es tellement mignon. Allez, la première sorcière que je croise. Là. Tu meurs. On a une autre là. Qui m'a envoyé un truc. Hop. Hop. Bon, on va arrêter de jouer. Hop, voilà. Oui. Hop là. Et je vais buter de la sorcière. Ici. Voilà, il n'y a plus de sorcière. C'est bon. Ça fait mal, il faut que je mange, il faut que je mange. Il y a quoi ici? Il y a du feu. Ici, il y a un seau de lait. Allez, faut que je mange, faut pas que je me fasse avoir par les sorcières. Je mange en boucle jusqu'à récupérer. J'ai combien de temps à nausée? Ah, c'est bon. Hunger encore pendant 8 secondes, slowness pendant 29. Je ne suis pas mort! Ce qui est déjà une bonne chose. Ça, c'est bien, je le garderai bien avec moi. Ici, il y a du feu. Je regarde si par hasard derrière le feu il y a des trucs, hein. Ici y a rien. Ici y a rien non plus. J'ai cru entendre une poule ou c'était peut-être le renard. C'est vrai que les renards font des bruits un peu bizarres quand même. Hein. Vous allez me dire, j'aurais peut-être pu garder les sorcières, ça aurait pu m'apporter des trucs. Je sais pas. Très honnêtement, je ne pense pas. Hop. Donc là, on vient au même endroit, hein, mais je voulais juste vérifier. J'en laisse qu'un seul ouvert parce que. Ok! Ben, on va faire ça. Vous êtes mignon avec votre chapeau et tout ça là.
Par contre, ce sont des zombies villageois, alors est-ce que je pourrais pas les dézombifier? Ça serait bien ça, non? Je vais peut-être pas casser ce spawner là par contre. Parce que les zombies villageois, ça peut être pratique. Encore un? Ouais, de toute façon vous allez venir en boucle. Hein. Forcément. Je vais essayer d'éclairer. Je vais essayer d'éclairer le spawner, je suis pas sûr que ça marche. Hop. J'ai 3 torches. Ah, pas aller loin. Oui, non, mais c'est bon. Oh, il m'a fait mal par contre. Il m'a fait très très mal. Ou alors j'avais pas repris mes cœurs. J'avais peut-être pas repris mes cœurs. Déjà, je vais commencer par fermer là. Ça va éviter qu'il y a des choses qui m'arrivent par derrière. J'avais que 3 cœurs. J'ai pas regardé combien j'avais de cœurs en fait. Je me suis attaqué au truc en mode toute confiance. Ouais, je crois que j'avais pas récupéré mes cœurs. Donc il faut que je récupère mes cœurs avant. Ça serait bien. Ah, j'ai fait une grosse bêtise. Et on va bien voir s'il y en a d'autres qui spawnent ou pas. Maintenant que j'ai éclairé un peu l'espace. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à en faire de ces villageois. Ouais, j'avais pas dû récupérer tous mes cœurs en fait. Hein. Ça a été bête, j'aurais pu mourir bêtement. Mais vraiment bêtement en plus. Juste parce que j'avais pas récupéré tous mes cœurs. Chose intéressante maintenant. Et visiblement la torche suffit. J'aurais peut-être dû faire ça avec les sorcières. C'est pas grave. Y'a des trucs là-dessous? Non. Non. Bon, on va dire ça me fera des tapis pour ma maison. Hop. Allez, récupère tes cœurs. J'essaye d'économiser un peu la nourriture en mangeant de la viande de zombies. Je sais que c'est pas l'idéal, mais... Je suis niveau 30 quand même, et dis donc, si j'avais plein de bibliothèques, là, je serais riche. Allez, on récupère ses cœurs, on y est presque. Donc je confirme, vu le temps que je mets à récupérer mes cœurs, je n'avais pas fait ce qu'il fallait pour récupérer mes autres cœurs. Ok, là il y a du charbon... Il va y avoir... M'en douter qu'il y a encore de la lave en dessous. Ah, le pire, c'est que je m'en doutais, mais je le fais quand même. Comme quoi, hein. On n'est pas toujours très très finaux. Ça, c'est ce qui me sert le moins. Puis de toute façon, je vais faire ça. Hop là. Et je vais... Voilà. Y a-t-il des choses dans les coffres? Du bois, c'est gentil. Des pépites d'or, c'est gentil aussi. Là il y a du bois stripping, nanana. Là il y a un coffre. Attendez, si c'est bon, il n'y avait pas de pillage dessus. Du pain, c'est bien. Des flèches comme ça, c'est bien aussi. Elles sont plus puissantes que celles que j'ai, d'accord. Des torches, preneur. Des pépites d'or, du coup j'en avais déjà. Des pépites de fer aussi, c'est bien. Hein. Ok, ça me fait un lingot. Ok, ouais, c'est pas mal. Il y a ça, il y a du gâteau. Et bah, c'était pas si mal que ça ici. Je regarde en haut s'il y a des choses. Hein. J'ai tendance à fouiller un peu. J'aime bien fouiller. Hop. D'accord. Hop. Et bah, ça me paraît pas mal. Non, ça sert vraiment que pour la déco. Ok. Du coup, je vais prendre le bois si j'ai rien à me débarrasser. On va se débarrasser de ça. Et du coin de l'œil, je suis en train de remarquer que là, il y a des choses aussi qui peuvent être intéressantes. Mais je ne sais jamais comment les récupérer. Oh là là, j'ai trop de choses sur moi. Hop. Allez, toc. Ah ok, donc ça je prends. Voilà. Voilà, tiens, on va faire un échange. Hein. Regarde. Je t'ai habillé. Tu devrais être content, je t'ai habillé. Vous avez pas un casque? Non, il n'y a pas de casque. Bon. Est-ce que j'en prendrais pas un? Parce que ça ferait joli chez moi. De toute façon, je vais revenir ici. Hein. Il y a des trucs que je prends pas parce que j'ai pas la place, mais...
Mais c'est bien, puis il y a les bibliothèques aussi qui pourront m'être utiles. Enfin voilà, il y a pas mal de choses ici qui pourront m'être utiles. Ok, bah, c'est pas mal cet explo là. C'est pas mal du tout. Je suis plutôt content. Hop là, on va manger encore un petit peu. Allez, on va prendre de ça. Ah, il m'a fait pas le renard. J'ai vu un truc rouge se balader sur le côté. J'ai cru que c'était du feu. Et non, c'était le petit renard qui... Il a quoi dans la bouche, le renard? Ah, il a pris le bloc que j'ai jeté. Oh, c'est trop mignon. Et ça veut dire qu'il est venu avec moi dans la maison, là? Oh, c'est trop chou. Oui, c'est trop chou, le renard. Oh là, ici, ça lag. Faut que je fasse attention. Il y a quoi, ici? À part la mort. Ok, je ne sais pas du tout ce qu'il y a ici, mais ça ne me dit rien qui vaille du tout. Hop, déjà regardez, on va bloquer ici. Il y a de la fumée. Ok, au revoir. Ah non, il m'a eu! Il m'a eu! Non! Aïe, 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 aïe. Oui, je veux le renard. Et bah plutôt que d'aller m'affronter là-bas, parce que je ferai ça au prochain épisode, et je le ferai avec cette potion, parce que 11 minutes de protection contre le feu, au moins je serai tranquille, contre le terrible, la lave et tout qu'il y a partout, je vais commencer à explorer un peu par là, voilà, et puis je vais vous quitter. Je vais voir s'il n'y a pas des coffres, c'est vrai qu'il y a souvent des coffres derrière les barrières, hein. Là il y a un spawner araignée, voilà, qui est là maintenant. Après, le spawn araignée... Oh, araignée venimeuse aussi. Ah non, ça c'est pas cool par contre. Ça c'est pas cool du tout par contre. Donc j'ai tout cassé, je vais pas prendre le risque. Hop là. Ok, derrière. Voilà. Je sais, c'est pareil, les araignées ça peut me servir à avoir du fil, mais vous voyez, du fil je peux en avoir là. Donc c'est pas grave, je préfère me sécuriser un petit peu. Manger. Oui, petit renard, je te suis. J'espère que tu ne m'emmènes pas dans un piège grotesque. C'est quoi ça? Un spawner à quoi? Oh, c'est un spawner à chauve-souris. Bon, bah, je laisse. Mignon, les chauves-souris. Hop là, hop là. Ok, il y a quoi ici? Ça continue, mais c'est gigantesque. Non, mais c'est gigantesque. Allez, on continue un petit peu. Hop, là, je garde mon épée en main, on sait jamais. Ici, il y a pas mal de végétation, hein. Il y a pas mal de... Il y a toujours mon petit renard qui me suit, il est trop mignon. Oui, petit renard, tu restes ici. Oh, t'as pris quoi cette fois? Je sais pas ce que tu as dans la bouche. Oh. Mais c'est gigantesque. Mais c'est si je m'attendais à ça dans cette map, quoi. C'est gigantesque, mais on va jamais s'en sortir. Ok, ok. Alors. Ok. Bon, je rentre. Il est quoi? Il est 35... ça fait 35 minutes à peu près, un petit peu moins. Qu'est-ce que... Je m'attendais pas à ce que cette map soit aussi grande au fait. Ouais. Prochain épisode, on fait cette partie-là et on fait cette partie-là avec le Fire Protection. Et on sera bien. On sera bien. On a eu un bloc d'or déjà. On a eu, on a fait la maison des sorcières, donc où il y a d'autres choses à récupérer, ce qui est pas mal. Et c'est tout. Parce que de toute façon, je vais pas rester, pouvoir rester beaucoup plus longtemps. Ok, on se retrouve là-bas. Je m'organise. Eh ben si, on va finir. Ah! Non! Il m'attendait! Il m'attendait! Il m'attendait! Meurs! Meurs! Ah! Il m'a eu!
Il m'a touché au dernier moment. Non, c'est bon. En fait, tout va bien. Dans les choses que j'aimerais faire sur Minecraft, j'aimerais refaire un peu de multi. Je vous l'ai déjà dit, hein, cette map, elle est sur mon PC, elle n'est pas sur un serveur, donc je ne peux pas faire venir de gens. Et j'ai pas eu envie de reprendre un serveur rien que pour ça, parce que serveur j'en ai déjà, et puis mine de rien que ça coûte aussi un petit peu. Surtout quand on peut pas jouer en permanence, encore quand on peut jouer souvent. Le serveur on rentabilise, on fait venir les gens, on fait plusieurs épisodes et tout va bien. Là sur 3 mois, ça veut dire que la trois quarts du temps le serveur il aurait pas servi et on n'aurait pas fait grand chose. Donc voilà, j'ai pas voulu m'embarquer là-dedans. On va faire un petit peu de déco pour finir cet épisode. En mettant déjà un tapis ici, dans l'entrée. Ça va être joli. Celui-là, on n'en a pas besoin. Donc, au revoir. Voilà. Ici, il y a un double coffre, mais je vais peut-être pouvoir en récupérer une partie. Ou pas. Ou pas, ou pas. Je vais ranger. Je ne vois que ça à faire. Les vêtements ici. Ouais, en fait, j'ai tout me barrer là. Je reviens, je suis obligé de faire une pause. Je suis de retour, je vous reprends exactement au même endroit que j'étais. Je suis désolé, il a fallu que je fasse une pause urgente. Toujours suite au problème de santé dont je vous avais parlé, voilà, il y a quelques temps. Bref, ah, j'avais récupéré une cloche. Oh, la cloche, elle va être très bien en fait pour venir là. Pour venir. Là. Voilà, on a une jolie cloche à la maison. Parce que, hey, pour ceux qui disent que je perds du temps là, hein, à ranger ma maison, dites-vous que ça fait partie des objectifs de l'île. Hein. C'est ce qui nous avait été dit dès le début, au fait. Faire une maison sur l'île et aménager l'île. Je ne fais du coup que répondre à cette demande, à cette requête du créateur de l'île. Hein, je suis obligé de le faire. Hein. Ici, je mettrais bien tous les blocs, au fait. J'avais un truc avec du bois. Voilà, là, c'était le bois. Donc, tout ce qui est en bois, je vais mettre ça là. C'est quoi comme... Ça, c'est de la vraie terre. Ça aussi. Donc, ça, c'est bien. Parce que notre objectif aussi, hein, c'est de remplacer une bonne partie de la terre un peu pourrie. Alors, ça là, ça va. Moi, je trouve ça joli. Enfin, on va juste faire en sorte que ce soit un peu plus unifié. Mais tout là-bas, dès que j'ai l'occasion de changer, je changerai. Voilà. Hop, on récupère le reste qu'il y a là. Avec ces bruits très distingués, toujours de. Bon, ils crachent pas, mais ils donnent l'impression, là, les lamas. Enfin, ils ont le pagage, pas trop du coup. Non, les blocs, c'est là. Voilà. Alors, on va mettre les blocs. Hop, là. Hop, 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 hop. Vous voulez encore un petit coup de hop? Hop, hop, hop. Voilà, et non, non, je l'ai pas fait cette fois. Là, c'est bon, là, c'est la nourriture. Là, c'est tout ce qui est important. La hache, du coup, on va la mettre là. Et hop. Ça vous agace, hein. je vous taquine. Vous voyez pourquoi je vais récupérer un zombie? Si je peux dézombifier un zombie, je le ferai parce qu'on a quelques émeraudes et on peut peut-être avoir quelque chose d'intéressant. Donc moi je suis plutôt preneur. Bloc. Hop. Hop. Si bien ça pousse ça. Tac 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 tac. Et on va même pouvoir. Ah non, on était parti jusqu'où là? Ok. Ok. Vous savez quoi? Si je retrouve de la terre toute moche là. Oh, quoi que non, j'en récupère. Ah oui, mais ça c'est de la bonne terre. Non, ça c'est de la mauvaise terre aussi. Hop, on va agrandir ici. Et on va essayer de faire en sorte que ça soit bouché. Regardez. Tac. Tac, tac, tac. Oui, je change un peu des hop hop hop, hein. Je fais tac 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 maintenant. Ce qui est pas mal.
sais pas ce que vous en pensez, mais tac tac tac, ça change de hop hop hop. Ça change de hop hop hop. Je vais pouvoir utiliser ce genre de bloc parce que je sais que je peux en récupérer pas mal. Voilà. Voilà, voilà. Et on va recouvrir tout ça pour que ce soit joli. Qu'il n'y ait plus ce trou béant dans la colline. On va même carrément retirer la colline. On est à combien? Ah bah, du coup, je sais plus à combien on est, mais de toute façon, ouais, je vous avais dit un épisode un petit peu plus long. Ça va faire partie des promesses que je vais tenir aujourd'hui. Puisque du coup, voilà. Voilà, voilà. Je vais enlever ça. Ah, je récupère ces blocs, ils sont pas mal. Enfin, ils sont pas mal. C'est pas non plus un. Voilà, mais hop. Voilà, regardez cette colline comment elle est tout de suite plus jolie. Vous trouvez pas? Et puis tout ça, au fait, je pourrais reboucher très très vite, au fait, en faisant un vrai enclos pour mes animaux. Ce sera plus joli tout ça. On est pas mal là, on est pas mal. Les blocs, comme je l'ai dit, ça vient là. Donc ces blocs là, ici. Ici on avait fini, je crois qu'il n'y avait plus de blocs à mettre. Ah si, là il y a un truc à boucher. Et bah avec ce bloc là, voilà, quoi qu'il y en a déjà pas le mal, allez si, ça va être bien ce bloc là quand même, voilà, et un ici, je sais pas si c'est, non, bon voilà, c'est pas mal comme ça, j'aime bien cette pièce, c'est pas mal, ça c'est du bois, on va mettre ça là, ça c'est du bois aussi. Ça, on va mettre ça dans ma chambre, on va dire que c'est des vêtements. Hein, bah, ce sont des vêtements de toute façon. Hop là. Graines, les pousses, on va mettre ça là. Hop, avec les fleurs. Ça, c'est de la nourriture, pommes de terre. Le fer, on va le mettre là. Parfait. Parfait. Ça, c'est de la glaise, on va mettre ça là. Ça peut toujours être utile. Ça, je l'ai récupéré, j'aurais pas dû. Et. Voilà, on va finir là-dessus. Les blocs, on va récupérer. En fait, j'en ai mis un peu partout. Les vêtements, là. Il y aura encore deux, trois petites choses à changer, hein, bien sûr. Bien sûr, mais ça viendra en son temps. Chaque chose en son temps. Hop là. Je vais faire une table avec ça, ça va être joli. Enfin, je sais pas si c'est le terme, mais. Faire ça. Enfin, je vais faire une table avec ça et je vais faire. Avec quoi je vais faire la table? Ah bah attendez, j'ai une trappe là. Si j'en avais une deuxième, ça aurait été bien. Alors, on va la faire avec ça. On va faire un truc moderne. Ah c'est vrai, il fallait que je récupère aussi un autre truc de bois pour finir cette... Et je finis pas mes phrases, hein, encore une fois, je suis désolé, j'y arrive pas, je me suis déconcentré. Voilà, regardez, cette belle table qui me montre à quel point je suis seul au fait dans cette aventure. Et ça, ça va être des tables de nuit. Voilà. Oh c'est beau tout plein. Vous êtes content? Regardez, la petite touche qui fait tout. Waouh! Oh, ça fait mal aux yeux, ceci dit. Et regardez. Waouh! Ça y est, je suis plus seul, j'ai un copain, ça y est! Ah, mais je suis content. Voilà, je suis plus tout seul dans cette aventure. Bon, allez, je vous laisse là. On sent que c'est dimanche, hein. Le temps que je fasse le montage et que je vous l'envoie, il est 15h, ouais, donc ça, à presque une heure d'épisode.
tout petit peu moins d'une heure d'épisode, c'est pas mal, hein, c'est ce que je vous avais promis. Du coup, je ferai ça maintenant tous les dimanches. On reviendra à l'aventure dominicale le dimanche sur Minecraft pour pas surcharger la chaîne de vidéos Minecraft. Mais, oui, parce que j'avais un petit mais et j'avais une petite surprise. Il y a de grandes chances que quand je sorte une vidéo le dimanche, il y ait un lien dans la description de la vidéo vers d'autres vidéos Minecraft. Voilà, je vais faire un pack au fait, comme. Ceux qui aiment Minecraft et bah regarderont cette vidéo et ils auront d'autres petits contenus dans la description de la vidéo. J'ai pensé à ça, je me suis dit que c'était pas mal, ça permettait de faire plaisir à tout le monde et encore une fois de garder un peu de visibilité sur la chaîne parce que si je la pourris de vidéos Minecraft, ce que je veux mettre en avant, c'est-à-dire les lives improbables et d'autres petits projets qui arriveront, je vais vite lasser les gens en fait, il y aura trop de contenu. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne façon de faire. J'espère que ça vous plaira. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de vidéo dans la description. Ça viendra à partir de dimanche prochain. Avec le retour de petites choses, je vous en dis pas plus que ça. Mais j'espère que ça vous fera plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine aussi. Prenez soin de vous et prenez soin des autres, c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Bye!